Visite dans la cinquième dimension, vers la caverne aux cristaux. Asseyez-vous ou étendez-vous bien confortablement, le dos droit ou bien allongé, et prenez quelques bonnes respirations. À chaque inspiration, voyez l'amour et la paix pénétrer en vous. Puis à chaque expiration, voyez le stress et tous les problèmes de votre journée s'échapper de vous. Vous devez essentiellement porter votre attention vers le niveau de conscience où vous vous trouverez durant cette expérience multidimensionnelle. Mettez aussi toutes vos intentions à la vibration du cœur vibral. Prenons maintenant trois respirations conscientes par le nez et expiration par le nez. Maintenant que vous êtes bien détendu, je vous guiderai pas à pas dans la sortie de votre corps vers ce voyage exceptionnel, voire multidimensionnel. Premièrement, soyez conscient de votre corps physique. Pendant ce voyage, il restera à l'endroit où il est, accompagné du corps éthérique, afin d'assurer sa survie et de l'alimenter énergétiquement, comme il se doit. Il faut noter que certaines énergies de votre corps physique et éthérique partiront aussi afin d'être épurées. Vous partez donc avec une fusion d'énergie subtile provenant de votre corps physique, votre corps éthérique, mélangée à votre corps émotionnel et bien entendu avec tous les autres corps subtils. J'aimerais avant tout faire une analogie afin que vous puissiez bien vous représenter vos corps et ainsi les fusionner à votre sortie. Je dirais que tous vos corps sont comme un train à vapeur et ses wagons. Le corps physique est la locomotive, véhicule de toutes les contreparties de votre être. Le corps éthérique ou vital est la chaleur ou la vapeur dont la locomotive a besoin pour avancer. C'est l'énergie. Le corps émotionnel, lui, est le combustible. Dans notre analogie, c'est le charbon. Autrement dit, ce sont nos émotions qui génèrent notre énergie, notre vitalité. D'où l'importance de bien observer ces émotions sans s'y attarder. L'observation demeure la clé dans ce contexte, afin qu'elle ne nuise pas à l'exercice que vous vous apprêtez à faire. Ensuite, il y a les 9 wagons représentant vos 9 autres corps subtils. J'aimerais, avant de commencer l'expérience, que vous voyiez votre train stationné dans une montagne. La locomotive est en bas et le dernier wagon est tout en haut. De cette façon, vous monterez en énergie chaque fois que vous entrerez dans un wagon. Revenons donc à votre corps physique. Sentez dans votre corps, dans vos organes, dans vos cellules, dans vos nadis, dans vos points d'acupuncture, l'énergie qui a besoin de transmuter, de se transformer, de s'épurer, qui va permettre de transcender. Sentez cette énergie s'élever doucement, sortir de votre corps, se mélanger à l'énergie du corps vital qui, elle, aussi, ressent ce besoin. Voyez maintenant cette énergie
se mélanger au combustible de votre train, le corps émotionnel, qui était plutôt axé sur les émotions polarisées sous les effets de dualité, et qui s'unifie afin de transcender les émotions vers la verticalité. Ce corps passe de la couleur orange pâle à orange phosphorescent. Il est le centre de vos émotions qui se dilatent et qui transcendent. Il est le corps qui relie la multidimensionnalité énergétique de l'âme des vies passées. Laissez ces énergies se fusionner. Et entrez dans le premier wagon, qui est le troisième corps subtil, le corps mental. Ce corps passe du jaune pâle au jaune phosphorescent. Il est la contrepartie intellectuelle qui analyse, rationalise, mesure, réfléchit et tergiverse ce que les émotions vivent. Laissez ces énergies s'entremélanger, se fusionner. Et passez au prochain wagon. Vous entrez dans le quatrième corps, le corps supramental. Celui-ci peut passer de la couleur aqua à rose, dépendamment de votre état vibratoire. Ce corps représente la pensée qui passe autant sur le plan positif, créatif, multidimensionnel que divin. Fusionnez ces énergies. Et entrez dans le wagon suivant. Vous entrez dans le cinquième corps, le corps supramental. Il est de couleur bleue turquoise. C'est votre instinct, votre intuition du cœur. C'est le relais avec votre mental et votre supramental. Fusionnez ces énergies. Et entrez dans le wagon suivant. Vous êtes présentement dans le sixième corps, le corps céleste. Sa couleur est pourpre. C'est l'intégration de l'esprit avec le corps supra-astral. Fusionnez ces énergies. Et pénétrez dans le wagon suivant. Vous avez atteint le septième corps. Le corps de lumière. Sa couleur passe du violet jusqu'au violet doré et il est relié aux émotions transcendantes qui sont passées à la verticalité. Il est l'intelligence de l'esprit en relation avec sa fréquence multidimensionnelle. Fusionnez ces énergies. Et découvrez le prochain wagon. Maintenant, vous êtes à un point culminant avec la manifestation du huitième corps, le corps sentimentique ou supramental du cœur vibral qui est relié à la triunité ou triangle inversé derrière le dos avec les fréquences archangéliques, mariales et christiques. Ce huitième corps est situé au centre de la poitrine où on y trouve la porte étroite. Il est aussi sous l'effet de la clé métatronique Ode, qui équivaut à intention et intégration du cœur vibral. Sa couleur est vert, turquoise et lilas. Il est la relation intime que vous avez avec l'amour inconditionnel via l'intelligence de l'esprit. Fusionnez ces énergies. Et traversez dans le wagon suivant. Celui-ci est le neuvième corps, le corps de la parole, de l'écoute et de la vibration juste. Il est aussi sous l'effet de la clé métatronique R,
situé au centre de la poitrine, qui équivaut à l'unification des quatre feux, Od, Im, Iz, Al. Le point R est aussi situé au centre de la tête et il est relié à la glande pinéale qui se manifeste dans l'hypophyse, l'hypothalamus et dans la réactivation de la fontanelle. Il est de couleur fuchsia et il est relié au centre laryngé ou au corps causal. Il est la relation avec le cœur de votre sagesse divine. Fusionnez ces énergies maintenant. Et parvenez au prochain wagon. Vous voilà maintenant dans le 10e corps, le corps de la supraconscience. Il est aussi sous l'effet de la clé métatronique Im, qui équivaut à ici, dans l'humilité et l'éthique, relié au feu de l'air. Il est de couleur rose-orangée et il est la relation avec la multidimensionnalité de l'être via l'esprit. Fusionnez ces énergies. Et introduisez-vous dans le prochain wagon. Vous êtes à présent dans le 11e corps, le moi supérieur ou le soi divin. Il est aussi sous l'effet de la clé métatronique Iz, qui équivaut à maintenant et l'intégrité, reliée au feu de l'eau lustrale. Il est de couleur blanc, avec des arcs-en-ciel argentés. Et il est l'interconnexion avec la source même de votre multidimensionnalité. Fusionnez ces énergies. Et atteignez le prochain wagon. Ce dernier corps est le 12e. Il est le corps fusionnel. Il est aussi sous l'effet de la clé métatronique Al, qui équivaut à l'attention et la simplicité reliée au feu du feu. Il est de couleur dorée, irradiant pur, et il est celui qui permet la fusion définitive de tous vos corps, incluant le corps physique, le moi supérieur, et le « Je suis » qui s'unifie. Fusionnez ces énergies. Et découvrez le prochain wagon. Vous voilà dans le dernier wagon, qui est en fait votre 13e chakra, qui est représenté par la Merkaba interdimensionnelle individuelle qui est située en votre cœur vibral. Sa fréquence multidimensionnelle est arc-en-ciel et elle est le véhicule interdimensionnel qui vous relie à votre corps d'être-té et qui vous transportera lors de l'ascension. La Merkaba demeure le lien multidimensionnel qui va vous permettre de voyager à travers les mondes unifiés, mais aussi dans des dimensions supérieures. Voyez à présent tous vos corps unifiés pénétrer en votre Merkaba et laissez la fusion de toutes ces énergies s'accomplir. Vous êtes maintenant tout en haut de la montagne. Vos corps sont fusionnés à la Merkaba et vous êtes prêt pour le voyage transdimensionnel. Vous vous sentez léger
et vous montez doucement vers le ciel rempli d'étoiles, que vous pouvez même percevoir en plein jour. La légèreté et la paix vous enivrent. Vous passez au travers des nuages, vous voyez à présent les continents en dessus de vous, puis la planète tout entière, dans sa splendeur et dans sa grâce. Prenez un moment pour regarder ce joyau, notre mère Terre Gaïa, celle qui nous a nourris, abrités et protégés pendant toutes ces incarnations, celle qui nous a fait vivre tant d'expériences extraordinaires, comme par exemple se promener dans ses forêts et sentir le calme et la paix qui s'y trouvent, ou simplement accueillir avec soulagement la fraîcheur d'une brise sur son visage lorsqu'il fait chaud, ou bien humer les odeurs sublimes de ses fleurs et prendre plaisir à voir toutes les couleurs, ou encore plonger dans l'eau pure d'un lac calme et sentir la douceur de ce liquide sur chaque parcelle de son corps. Quelle expérience sensationnelle que de vivre avec un corps physique dans les trois dimensions de cette petite merveille, malgré son enfermement. Remémorez-vous le bien-être que cette planète vous a apporté et remerciez-la de voir, de vous avoir accueilli avec tout son amour inconditionnel, et cela depuis des millénaires. Dirigez-vous maintenant vers le pôle Nord, l'Arctique. Vous voyez un grand trou d'où ressort une lumière blanche intense. Cette lumière vous attire et vous commencez votre descente vers ce lieu de paix, voire même sacré. Vous voyez peu à peu la lumière s'intensifier et vous pénétrez dans ce que l'on appelle la terre creuse, éblouie par ce magnifique soleil féminin du nom de Vesta, à l'épicentre de l'intra-terre. Ressentez l'énergie chaleureuse de Vesta s'introduire en votre être. Respirez consciemment cette énergie de couleur rouge. Laissez-la entrer dans chacune de vos cellules. Ainsi, vos racines terrestres seront amplifiées et renforcées. Vous pouvez à présent distinguer une ville cristalline en dessous de vous. Quel magnifique paysage! Vous voyez des habitations cristallines sans toiture physique qui sont construites entièrement de cristaux de différentes fréquences, de sons et de couleurs. De l'intérieur, ils peuvent voir vers l'extérieur, mais le contraire n'est pas possible. Chaque résidence possède son propre cours d'eau cristalline, c'est-à-dire un cours d'eau pur, énergisé par le cristal que nous appelons l'eau lustrale, qui représente fondamentalement l'eau de la création. Il y a aussi, à perte de vue, de magnifiques jardins de fleurs éthériques, extrêmement luminescents, remplis de cristaux, où chacune d'elles est unique en son genre, possédant une odeur, une couleur, une fragrance, une fréquence différente. Sillonnez tranquillement ces jardins de lumière authentique sans fin et respirez les fragrances qui émanent de ces fleurs cristallines, puis intégrez en vous le bien-être que cela vous procure
ces jardins sont créés afin de réénergiser les êtres qui les visitent, voire de les bénir et de les guérir. Il y a aussi, ici et là, des passerelles énergétiques cristallines, en fait des ponts de lumière. Ceux-ci sont fabriqués de plusieurs fragments d'énergie cristalline qui permettent à ceux et celles qui les traversent d'élever leur taux vibratoire, de se connecter davantage avec leur esprit et ainsi augmenter leur niveau de conscience. Prenez donc quelques instants pour traverser l'une de ces passerelles cristallines ou de ces ponts de lumière et expérimentez ces énergies de haute fréquence. Vous pouvez aussi contempler tout près une magnifique forêt avec des plantes et des arbres majestueux ainsi que des animaux de toutes sortes qui vivent en harmonie vibratoire avec les êtres qui les entourent et avec qui ils aiment communiquer et communier vibratoirement. Les animaux de la cinquième dimension sont des êtres conscients, remplis d'intelligence, d'amour et de sagesse. Vous apercevez un peu partout des enfants avec leur corps éthérique, luminescent, qui jouent et qui courent et qui rient. Ils sont totalement dans la joie du moment présent. Il y a des êtres qui communient avec la nature luminescente, d'autres qui méditent en se connectant à d'autres dimensions supérieures. Imprégnez-vous de la paix, dans la joie, dans la sérénité, dans le bonheur, dans l'amour de cet instant magique qui est omniprésent dans cet endroit sans artifice. Reconnaissez en ces êtres vos frères et vos sœurs intergalactiques, pour ainsi reconnaître en vous ce potentiel extraordinaire qui n'attendait que cette visite qui fera grandir en votre conscience vers une supraconscience. Regardez à présent à l'est de cet endroit majestueux. Vous y voyez un passage qui mène vers une éblouissante caverne remplie de cristaux de toutes les vibrations et formes. À l'entrée de cet merveilleux endroit, il y a un ou plusieurs cerbères qui montent la garde, mais qui sont présents pour vous accueillir et vous offrir leur hommage. Je ne peux pas vous décrire ces gardiens car leurs apparences sont directement liées à votre taux vibratoire. Vous pouvez donc apercevoir des êtres vêtus de blanc, ou bien des êtres entièrement faits de lumière, ou encore un dragon de lumière, pourquoi pas. Peu importe leur physionomie, saluez-les avec respect et demandez la permission d'entrer. Un quelconque geste de leur part vous donnera leur accord et vous pouvez à présent pénétrer en ce lieu féerique, magique et vibratoirement orchestré pour s'y baigner d'amour. Dès que vous passez l'embrasure,
vous êtes entouré d'une lumière et d'une énergie excessivement intense qui proviennent d'un nombre infini de cristaux qui tapissent entièrement cet endroit. Promenez-vous paisiblement à travers ces milliers de cristaux, de grandeurs, de formes, de couleurs et de vibrations différentes. Il y a des tétraèdes, des pyramides, des obélisques, etc. Il y a de toutes les formes géométriques sacrées et cristallines. Il y a autant de formes que vous pouvez imaginer et plus encore. N'est-il pas merveilleux de pouvoir se balader calmement en cet endroit de rêve si puissant afin d'augmenter le taux vibratoire de votre conscience? Préparez-vous à accueillir un ou plusieurs cristaux pour vous aider dans votre cheminement spirituel de guérison et de transcendance multidimensionnelle, ou encore pour aider un ou plusieurs membres de votre famille, ou même vos amis. Utilisez votre intuition. Vibrez le cristal ou les cristaux que vous êtes venu chercher. S'il est pour vous, centrez-vous sur vous-même, en votre cœur vibral, et vibrez les carences énergétiques qui vous habitent. Le besoin de guérir telle ou telle blessure ou une maladie quelconque. Vous savez, les cristaux maintiennent une mémoire pure et peuvent nous aider à plusieurs niveaux dans la transcendance multidimensionnelle. S'il est pour un membre de votre famille ou un ami, connectez-vous à cette personne consciemment et vibrez ce dont elle a besoin. Ne vous laissez pas mener par votre mental ou encore votre intellect. Ne vous laissez pas amener dans une série de questionnements où vous vous mettez à tergiverser inutilement. Tout est dans l'attention et dans l'intention, détachée des émotions que vous portez vers la personne. N'ayez crainte, il n'y a pas de mauvais choix. Ayez confiance en vous. Vibrez simplement. Vibrez intuitivement avec le cœur vibral. Et cueillez vos cristaux. Le cristal sera simplement introduit dans le chakra du cœur afin que son énergie soit diffusée à travers tout le corps et puisse ainsi résorber les carences énergétiques. Si vous avez en votre possession un cristal qui vous est destiné, eh bien, insérez-le tout de suite dans votre chakra du cœur. Vous pouvez ressentir différentes sensations lorsque vous l'insérez au cœur, qui s'étendra dans votre corps entier, comme par exemple une chaleur, un picotement, de petites vagues d'énergie qui vous parcourent, ou encore simplement un bien-être général de libération intérieure. Savourez ce moment de communion et de gratitude infinie avec ce cristal. Cette énergie vivante qui vient vous habiter afin de vous aider à guérir, à transmuter, voire à vous transformer. Soyez conscient et reconnaissant de l'opportunité qui vous est offerte de vivre cette expérience inoubliable. Prenez quelques respirations conscientes qui vous permettront de vous rappeler de ce moment unique d'extase et d'intase qui se sont manifestés simultanément en votre conscience.
respirez lentement et consciemment en faisant vivre à la fois un instant de joie intense et rempli d'amour vibral. Il est maintenant temps de repartir, mais il n'y a pas de nostalgie ou de regret. Vous vivez plutôt de la reconnaissance, de l'appréciation, de la gratitude et une infinie multitude de merci qui vous font déborder d'une joie sans fin. Si vous avez le besoin de pleurer, allez-y. Et sentez en vous une libération de quelques couches isolantes qui obnubilaient votre conscience. À l'entrée de la grotte, saluez et remerciez les gardiens. Vous pouvez jeter un dernier coup d'œil sur ce magnifique endroit de la cinquième dimension. Imprégnez-vous encore une fois de tout l'amour, la paix et le bien-être qui s'y trouvent. Vous pouvez même voir des êtres qui vous saluent par un geste de respect et qui vous disent au revoir par leur communication télépathique. À bientôt, chers frères, chères sœurs. Vous remontez à présent le tunnel qui vous ramène vers la surface. Puis vous voyez la Terre dans sa splendeur. Laissez-vous ramener paisiblement vers le haut de la montagne où se trouve ce dernier wagon. Ce dernier est relié au 13e chakra, qui est la Merkaba interdimensionnelle individuelle. Cette Merkaba représente le véhicule multidimensionnel qui vous permettra de rejoindre votre corps d'être-té au moment juste et parfait. Vous allez donc vivre simultanément une effusion, mais gardez bien à l'esprit que chacun de vos corps, bien qu'effusés, sont imprégnés de cette puissante énergie cristalline que vous ramenez en tout votre être. Vous entrez donc dans le wagon précédent, le 12e corps, votre corps fusionnel. Il est aussi sous l'effet de la clé métatronique AL, qui équivaut à l'attention et la simplicité reliée au feu du feu. Il est de couleur dorée, irradiant pur, et il est celui qui permet la fusion définitive de tous vos corps, incluant le corps physique, le moi supérieur et le je suis. Laissez ces énergies derrière vous, mais sachez que tout votre être en est imprégné à jamais. Et vous passez au wagon précédent, le 11e corps, le moi supérieur ou le soi divin. Il est aussi sous l'effet de la clé métatronique IS, qui équivaut à maintenant et intégrité, reliée au feu de l'eau lustrale. Il est de couleur blanc avec des arcs-en-ciel argentés et il est l'interconnexion avec la source même de votre multidimensionnalité. Laissez cette énergie derrière vous, mais sachez que tout votre être en est imprégné à jamais. Et passez au wagon précédent, le 10e corps, le corps de la supraconscience. Il est aussi relié sous l'effet de la clé métatronique IM, qui équivaut à ici, dans l'humilité et l'éthique, relié au feu de l'air.
Il est de couleur rose orangé et il est la relation avec la multidimensionnalité de l'être T via l'esprit. Laissez ces énergies derrière vous, mais sachez que tout votre être en est imprégné à jamais. Et vous passez au wagon précédent, le 9e corps, le corps de la parole, de l'écoute et de la vibration juste. Il est aussi sous l'effet de la clé métatronique R, qui équivaut à l'unification des quatre feux, Od, Im, Iz, Al. Ce point R est situé au centre de la tête et au centre de la poitrine. Il est de couleur fuchsia et il est relié au centre laryngé ou corps causal. Il est la relation avec le cœur de votre sagesse divine. Laissez cette énergie derrière vous. Mais sachez que tout votre être en est imprégné à jamais. Et vous passez au wagon précédent, le 8e corps, le corps sentimentique ou supramental du cœur vibral, qui est relié à la triunité ou triangle inversé derrière le dos avec les fréquences archangéliques, mariales et christiques. Ce 8e corps est situé au centre de la poitrine, où on y retrouve la porte étroite. Il est aussi sous l'effet de la clé métatronique Od, qui équivaut à l'intention et l'intégration du cœur vibral. Sa couleur est vert, turquoise et lilas. Il est la relation intime que vous avez avec l'amour inconditionnel via l'intelligence de l'esprit. Laissez cette énergie derrière vous, mais sachez que tout votre être en est imprégné à jamais. Et vous passez au wagon précédent, le 7e corps, le corps de lumière. Sa couleur passe du violet jusqu'au violet doré et il est relié aux émotions transcendantes qui sont passées à la verticalité. Il est l'intelligence de l'esprit en relation avec sa fréquence multidimensionnelle. Laissez derrière vous cette énergie qui continue de vous aider à transcender, mais sachez que tout votre être en est imprégné à jamais. Et vous passez au wagon précédent, le 6e corps, le corps céleste. Sa couleur est pourpre. C'est l'intégration de votre esprit avec le corps supra-astral. Laissez derrière vous cette énergie qui vous emmène à lâcher prise sur tout ce qui avilissait votre conscience, mais sachez que tout votre être en est imprégné à jamais. Et vous passez au wagon précédent, le 5e corps, le corps supra-astral. Il est de couleur bleu turquoise. C'est votre instinct, votre intuition du cœur. C'est le relais avec votre mental et votre supramental. Laissez derrière vous cette énergie qui œuvre afin de vous délivrer de vos peines et de vos peurs. Et sachez que votre être en est imprégné à jamais. Et passez au wagon précédent, le 4e corps. Votre corps supramental, celui qui peut passer de la couleur aqua à rosé, dépendamment de votre état vibratoire. Ce corps représente la pensée qui passe autant sur le plan positif, créatif, multidimensionnel que divin. Laissez derrière vous cette énergie qui vous permet de vous reconnecter à l'intelligence du cœur. Et sachez que tout votre être en est imprégné à jamais. Et vous passez maintenant au premier wagon, qui est le 3e corps, le corps mental. Ce corps passe du jaune pâle au jaune phosphorescent. Il est la contrepartie intellectuelle qui analyse, rationalise,
mesure, réfléchit et tergiverse ce que les émotions vivent. Laissez derrière vous cette énergie qui ouvre de nouvelles portes vers votre transcendance et sachez que tout votre être en est imprégné à jamais. Vous voilà à présent de retour dans votre locomotive, dans votre corps physique. Mais avant quoi que ce soit, pour ceux et celles qui ont ramené un cristal pour un membre de la famille ou pour un ami, le moment est de vous diriger vers 7 ou 5 personnes. Vous devez simplement, comme vous l'avez fait pour vous-même, déposer le cristal dans le chakra du cœur de la personne. Faites-le avec amour inconditionnel et sans attente, voire avec l'intention pure du cœur vibral. Dès que cette tâche est accomplie, vous réintégrez votre corps doucement. Votre corps émotionnel, les énergies du corps vital et physique reprennent leur place doucement. Si vous êtes sensible aux énergies, vous ressentirez certainement toutes vos cellules s'agiter en vous, alimenté par la puissante énergie cristalline que vous ramenez à l'instant. Si tel n'est pas le cas, dites-vous bien que l'intégration de l'énergie se fait de toute façon et que le ressenti viendra avec le temps. Vous pouvez à présent ouvrir vos yeux, reprendre pleinement possession de votre corps physique afin de vous ancrer dans l'espace où vous vous trouvez. N'oubliez pas que le taux vibratoire de votre conscience a augmenté pendant cet exercice. Rayonnez consciemment cette belle énergie dans tout votre entourage. Restez toujours dans l'humilité, la simplicité, la transparence en votre être qui redevient l'enfant qui s'émerveille devant cet accomplissement axé sur l'intériorité.